Mais évidemment, c'est pas baiser sans condom. Mais pour moi, c'est un peu plus que ça parce que je le fais avec un objectif. So, je vais sans condom, mais dans ma tête, c'est parce que je sais que je vais être exposé au virus VIH. La plupart du temps vont me dire, c'est il y a comme un mur. Il y a l'avant VIH, avant le diagnostic, puis après le diagnostic. Donc, leur vie est complètement bouleversée. Mais on peut quand même retrouver certaines étapes par lesquelles les gens peuvent passer. Puis c'est des étapes qui s'apparentent beaucoup aux étapes d'un deuil. Donc, c'est-à-dire que tout d'abord, c'est sûr que la plupart des gens vont nous dire que c'est un choc. Je me suis tellement protégé, j'ai tout fait pour ne pas l'avoir, puis finalement, je l'ai quand même. Mais là, c'est de la colère, donc ça, c'est une autre étape que les gens peuvent vivre. Donc là, ils vont vivre des frustrations, puis ils peuvent avoir une période un peu qu'on appelle d'hypersexualité, donc qu'ils vont avoir plus de rapports sexuels, ils ne vont pas se protéger. Dernière étape qui est plus d'arriver à adapter, moi je dis toujours d'adapter leur vie au VIH et d'adapter le VIH à leur vie, et ça prend du temps et il faut qu'ils arrivent à sortir de l'isolement pour faire ça. Le bear back serait le fait de vouloir avoir une relation sexuelle anale ou vaginale sans condom et avec une personne de statut sérologique inconnu ou séropositive et de chercher intentionnellement à avoir ces relations sexuelles. Le mot bareback est un terme qui a été emprunté au milieu équestre, ce qui veut dire montée accrue, donc sans selle. En fait, le bug chaser, c'est le fait de vouloir recevoir intentionnellement le VIH. On parle également de bug giver, le fait qu'une personne va vouloir de façon intentionnelle donner ou transmettre le VIH à une autre personne. Go with the flow. Sweet seduction in a magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes tambourine. Nicotine from the silver screen. Sweet seduction in a magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes tambourine. Nicotine from the silver screen. Sweet seduction in a magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes tambourine. Nicotine from the silver screen. Sweet seduction in a magazine. Endless pleasure in limousine. Je suis un bug chaser parce que par définition, c'est ce qui attache cette nom au monde comme moi. La motivation qui les ont amenés à pratiquer le bareback était beaucoup liée au fait que, un, ils étaient déjà séropositifs, et de deux, qu'ils rejetaient en fait une certaine norme sociale qu'on voulait et qui, pour eux, visait le contrôle de leur sexualité. Et ça fait 15 ans maintenant que j'ai eu des relations sexuelles avec des hommes. Puis ça fait 15 ans que je voyais les publicités, les annonces, les warnings partout. Le sida, le VIH, tu mets les condoms toujours. Au début,
quand j'avais 20 ans, j'ai fait tester pour le VIH chaque 6 mois. Puis chaque fois quand tu fais tester, il faut qu'on attende 2 semaines pour les résultats. Puis c'était 2 semaines de l'angoisse chaque 6 mois. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et je suis fatigué. Je suis fatigué d'avoir peur. Certaines personnes, suite à ces expériences ou à cette expérience-là, peuvent aller du côté de la fatalité. J'ai eu une relation sexuelle sans condom, je dois l'avoir attrapé, donc maintenant que je l'ai attrapé, je peux continuer d'avoir des pratiques sexuelles non protégées. J'ai décidé que la qualité de ma vie va être meilleure quand je vais devenir séropositif. Mentalement, émotivement. Je ne suis pas quelqu'un qui peut vivre avec tout le monde de peur autour de moi. Et je suis encore jeune, j'ai une sexualité vivante. Je vais avoir les relations sexuelles. Puis je vais pas avoir peur, je vais pas avoir honte, je vais pas penser de VIH chaque fois que je baise. Certaines personnes vont nous dire que, en fait, j'étais tellement sûr qu'un jour j'allais l'avoir que maintenant que je l'ai, je suis débarrassé de ça, de cette crainte. Je sais que ça pourrait me donner le sida, puis je pourrais mourir du sida. Je sais ça. Mais il y a du monde à ce moment-là qui sont en ligne d'attente au dépanneur pour acheter des cigarettes. Pourquoi est-ce que je suis différent? Parce que je prends le risque de ma vie avec mon corps, avec ma vie, dans ce sens-là, dans ce sens-ci. Mais le monde qui fume, il prend le risque. C'est la preuve existe 100% que les cigarettes sont la cause primaire du cancer. Mais ils ne sont pas jugés. C'est accepté par la société. Parce qu'ils fument. Tout le monde fumait toujours. Mais moi, je prends des risques pour avoir une mentalité différente dans ma vie. Pourquoi est-ce que je devrais être jugé à cause de ça?